Bonjour à toutes et à toutes, c'est ma première vidéo commentée. J'essaie de faire régulièrement des vidéos de Coliseum. Alors là, je suis avec mon roublard niveau 70R Abarian, avec mon Panda O67O, et avec Achoum, c'est un ami, ce n'est pas mon compte, qui est venu exprès de Mainman sur les comptes pour faire du Coliseum avec moi. Il est niveau 55, je l'ai aidé à upper à ce stuff en une journée. Et on a commencé, c'était plutôt pas mal. Même si ce combat était pas tellement équilibré qu'on est tombé contre des niveaux 87. Alors un Zobal 87, Bob THC, Ganja SSC, un Kra O niveau 52, et Zykol Vienne, un Yopter 106 qui rocks énormément. Alors je vais vous laisser apprécier le combat. Je vais mettre une musique, je pense. Et j'essaierai de faire des vidéos commentées tout au long, mais là c'était vraiment long à jouer. Alors, bonne vidéo. Some say we're never meant to grow up. I'm sure they never knew enough. I know the pressures won't go away. It's too late. Find out we're different somehow. It's too late to even have faith. Don't think things will ever change. You must be dreaming. Think before you make up your mind. You don't seem to realize I could do this on my own. And if I fall, I'll take it all. It's so easy after all. Believe me, cause now's the time to try. And believe me,
I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And it's the stars, the stars that shine for you. And it's the stars, the stars that lie to you. Yeah, yeah. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Alors on se retrouve pour la fin du combat où il ne reste plus que Zobal avec 186 points de vie et ses boucliers, Hachoum le sacrieur et mon roublard. Désolé pour la longueur de la vidéo et aussi avoir dû mettre 3 musiques. Alors à ce moment de la vidéo, Zobal essaie de nous jouer portée. Nous on va essayer de le ramener vers nous, ce qui va être plutôt compliqué. Et Hachoum s'est soin un peu sur son chauffeur, comme j'avais pu le voir. Alors on va essayer d'avancer, ce qui va nous mettre plutôt en danger. Alors là j'avance de... Moi ouais, je me décale pour essayer de lui faire une espingole.
Et j'ai mal estimé, donc ça ne sera pas pour ce tour. Malheureusement. Je vais quand même vouloir sauver, entre guillemets, le Sacrieur qui allait mourir ce tour. Et je me rends compte en fait que je n'avais pas de PM et que de toute façon il serait mort. Donc je choisis de détruire mes bombes pour encourager le Zobal à se rapprocher. Car s'il joue à portée, il va perdre. J'ai une meilleure portée que lui et la zone Espringle est plus pratique que son apathie. En plus, c'était une bonne map côté obstacle. Donc effectivement, il commence à se rapprocher. Plutôt prudemment, je pense. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Même s'il va faire une grossière erreur, on va dire. Bon, là, il se met trans, ce qui m'embête un peu. Et là, il se met assez mal car j'ai une bonne zone pour l'espingole qui me permet de l'atteindre. Et ça va être assez tendu cette fin de partie. Ça va être un peu quitte ou double, vous allez voir. Alors, je choisis de poser une bombe car c'est un peu ce qui me permet de faire le plus de dommages. Au moment où je fais le mur et au moment où le personnage commence son tour, il y a Hachoum qui m'a demandé de me placer là, mais je lui avais fait savoir que si je m'étais placé là, il m'aurait atteint avec l'apathie. Donc alors, il choisit de rusher. Il me met son chaffeur pour essayer de me bloquer. Voilà. Et bon, qu'il bouge ou pas, il aurait de toute façon fait la même erreur. Mais alors là, il choisit encore de se rapprocher un peu. Et le chaffeur va lui enlever le bouclier, c'est peut-être ça qui m'a sauvé. Alors, je fais un détour sur la bombe. Je viens poser mon autre bombe. Et je lui enlève une bonne partie de ses boucliers. Alors, ça laisse tout se jouer sur le moment où il allait récupérer ses points de vie. S'il perdait d'abord les dommages ou bien s'il allait récupérer ses points de vie de transe. Alors, je choisis de faire dernier souffle car j'allais de toute façon mourir si je gagnais pas. Et là, c'est le miracle car on gagne. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.